Sen söyle. Put the recording. Should start. Oh. Okay, he has started now. You can go on now. Okay. Thank you. Okay, merci beaucoup. Donc, notre cours s'intitule Introduction au livre poétique et sapientio de l'Ancien Testament. Et donc, j'ai dit qu'en introduction, la Bible contient une diversité de collections, d'écrits et de genres littéraires, parmi lesquels se trouvent les écrits poétiques et sapientio. Les sages d'Israël ne délivrent pas leur enseignement en dehors de la loi et des prophètes. Pourquoi j'écris cela? Parce qu'il y a des auteurs qui disent que les sages ne s'intéressent pas à la loi et aux prophètes. Mais cela n'est pas le cas. Ils sont des disciples de Moïse. Les prophètes, les sages d'Israël sont bien des prophètes de Moïse. Dans cette introduction spéciale au livre de la sagesse, nous nous intéressons aux aspects suivants. Les genres littéraires. Qu'est-ce qu'on entend par livre poétique et sapientio? Les termes clés. Les grands thèmes et théologie. Et les problèmes de traduction. Donc, voilà ce qui nous intéresse dans ce cours. Puisque vous êtes des traducteurs, il serait important de tacler les questions de traduction. Alors, avant de parler de l'Ancien Testament, parlons de la poésie et de la sagesse en Afrique. La culture africaine étant principalement orale, peut-on parler de genre poétique et sapientiel en Afrique? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous pouvez demander la parole et agir, ou bien envoyer votre commentaire dans la discussion. Peut-on parler de genre poétique et sapientiel en Afrique? Si. Salomon veut répondre. Oui, vas-y, Salomon. Dans ma culture à moi ici, nous avons traditionnellement ce que nous appelons des griots. La culture, ça c'est quelle culture? La culture Naouda. Oui. Nous avons traditionnellement ce que nous appelons des griots. Oui. Qui, à travers leur chant, véhiculent une certaine sagesse. Et puis, dans la manière de composer leur chant, on sent bien que c'est de la poésie. Oui. D'accord, merci. Autre culture? Naouda, c'est du Bénin, c'est ça? Togo. Naouda, c'est du Togo. Togo. Du nord du pays. Ok. D'accord. Une autre culture? Donc, ça veut dire que les autres n'en ont pas. Oui, le Bénin. Oui, le Bénin. Oui, dans la culture Batonou aussi, en dehors des griots que je suis. Mmh. Et il y a aussi d'autres dynasties ou bien d'autres clans parmi les Batonou qui ont un style de parler pour faire l'éloge ou bien pour parler sous d'autres formes. Oui. En forme de poésie, en forme de... Comment je vais appeler ça? En tout cas, en dehors du style de poésie, il y a encore d'autres formes pour parler, surtout pour faire les éloges au roi, en dehors des griots. Oui. D'accord. Donc, c'est très important d'abord de commencer chez nous avant d'arriver chez les autres. Je crois que
Même si notre genre est oral, il y a différents genres. Il y a la causerie habituelle qu'on fait, mais il y a les chants, n'est-ce pas? Il y a les chants qui ne sont pas structurés de la même manière qu'une parole normale. Il y a également des contes et des proverbes que nous avons dans beaucoup de cultures africaines. La culture Bamana du Mali a énormément de proverbes, donc de paroles de sagesse, et il y a des collections même qui existent, de milliers de proverbes qui sont comme l'assaisonnement de la parole. Alors, quand on parle en un certain sens, je dirais que pour les Bamana, le langage est un art et on a besoin d'agrémenter ce qu'on dit à l'aide des proverbes. Donc, ce qui fait que c'est très important cet aspect, ce genre, même dans l'oralité. Ma deuxième question, c'est comment reconnaît-on la poésie dans votre culture? Voilà. Il y a un auteur français qui écrivait en prose sans savoir qu'il écrivait en prose. On peut avoir effectivement la chose, mais sans savoir que c'est ça. Alors, comment est-ce que vous allez reconnaître la poésie? Dans votre culture. Encore Salomon. Oui, vas-y. Dans ma culture, pour détecter, en tout cas pour savoir que celui qui parle use de la poésie, oui. Il faut faire attention aux figures de style qu'il utilise. OK. Et pour exprimer son idée. C'est ça. Ensuite, qui d'autre? La culture bâtonneau, il faut faire attention à la répétition des mots et aux oui, rimes. C'est ça. Répétition des mots. Et aux rimes. Voilà, c'est ça que ça, c'est très important pour discerner. Notre poésie peut-être n'est pas exactement comme la poésie française, avec des pieds qu'on mesure, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poésie, et cela ne veut pas dire que c'est une poésie même de qualité inférieure. Non, chacun a son style, et donc nous devons connaître notre style de poésie. Alors, maintenant, la poésie est différente du genre sapientiel, donc la sagesse. J'ai dit, comment reconnaît-on le genre sapientiel dans votre culture? Le genre sapientiel s'exprime généralement dans ce qu'on appelle les proverbes. Est-ce qu'il y a des proverbes dans chaque culture? Oui, en Baliba, nous avons assez de proverbes. Oui. Okay. En Madagascar aussi, il y a beaucoup de proverbes. Oui. OK. Donc, on a assez de proverbes aussi. OK. D'accord. Et donc, ma quatrième question. En quoi la connaissance du genre poétique et sapientiel de notre culture peut-elle nous servir dans notre tâche de traduction? Voilà. Je dirais que c'est évident. Si il y a des textes poétiques
et des textes sapientiaux dans la Bible. Alors, notre traduction voudrait quand même s'approcher de ce genre quand nous traduisons ces textes dans notre langue. Il faut que notre lecteur sache que ce texte-là est une traduction d'un texte poétique, ou bien que ce texte-là est une traduction d'un texte sapiential. C'est très important, donc, que nous connaissions ces genres dans notre culture et en vue de mieux rendre les textes dans notre langue et dans notre culture. Donc, c'est là l'objectif majeur. Un des problèmes majeurs de nous en Afrique en général, c'est que nous n'étudions pas suffisamment notre langue, nos langues. Nous prenons plus de temps à étudier les langues étrangères que notre propre langue. Et c'est pourquoi parfois nos langues sont écrites plutôt et étudiées par des étrangers. Nous, on les informons, ils écrivent, mais nous sommes nous-mêmes ignorants de nos langues. Nous avons besoin d'apprendre davantage à développer notre propre culture, notre propre connaissance de notre langue, que nous soyons des experts dans ce domaine. Et surtout quand vous êtes traducteur, alors, en tant que traducteur de la Bible, vous devenez nécessairement des experts dans la langue, dans votre langue. Parce que vous allez travailler dans cette langue-là plus que ceux qui font même la linguistique, parce que eux, ils prennent des textes particuliers, mais vous avez un texte volumineux, l'ensemble de la Bible, avec différents genres littéraires, et vous êtes appelé à rendre cela d'une façon exacte dans votre culture. Alors, cela fait que vous avez besoin de plus de recherches sur votre propre langue, votre culture, en vue d'aboutir à une bonne traduction. Donc, prenez cette occasion de traduction comme étant une occasion en même temps de vous cultiver davantage dans votre langue. Vos sources sont nombreuses. Il y a des émissions dans les radios, dans nos langues parfois. Il y a effectivement les chants des griots et les éloges des griots, mais il faut collecter. Si vous ne collectez pas, vous ne les avez pas peut-être. Et il y a le parler quotidien des gens. Donc, en tant que traducteur, vous devez être des gens, des hommes et des femmes qui écoutent les autres. Et donc, qui vous intéressiez spécialement à ces cultures-là pour pouvoir mieux apprendre des autres. Un jour, j'étais en train d'écouter une radio dans ma langue et on avait un problème énorme à traduire le mot butin. Butin. Alors, et j'écoutais cette émission qui était même par des musulmans et puis ils ont utilisé le mot butin. Ils ont utilisé un mot clétonnant dans la langue qui veut dire en réalité l'avantage de la guerre. Et c'est vraiment le bon mot pour le butin. Alors, et immédiatement, j'ai sauté là-dessus. J'ai dit, mais au traducteur de la Bible, j'ai dit, voilà le mot pour butin. Alors qu'on traduisait ce mot butin dans la Bible comme les choses ramassées à la guerre, les choses prises à la guerre, etc. Mais il y avait un mot qui convenait mieux. Et donc, en écoutant la radio, j'ai capté ce mot. Et immédiatement, on en a fait usage. Donc, vous voyez comment, en écoutant les radios dans nos langues nationales, ou alors en écoutant les spécialistes de la parole dans nos milieux traditionnels, nous pouvons davantage apprendre sur notre propre langue et cela peut être utilisé pour la traduction de la Bible. Alors, donc, j'avance. La limite exacte des livres poétiques et sapientiaux fait toujours débat.
les livres poétiques et sapientiaux, qui sont reconnus par les grands nombres d'auteurs dans la Bible hébraïque, sont Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Lamentation. Et hors de la Bible hébraïque, nous avons les livres comme Sagesse et l'Ecclésiastique. Certains auteurs mentionnent même Habacuc et Lamentation parmi les livres poétiques. Alors, Lamentation, c'est assez compréhensible. Lamentation a bien une structure qu'on appelle acrostiche, où chaque verset commence par exemple par une lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, ou alors chaque deux versets ou chaque trois versets commencent par la même lettre de l'alphabet hébraïque. Donc c'est vraiment poétique aussi. Alors, puisqu'un cours spécial est consacré au deutérocanonique, nous nous contenterons dans notre présentation des livres poétiques et sapientiaux canoniques. Le terme livre poétique se réfère à la littérature des, à la forme littéraire des livres, tandis que le terme livre sapientiaux se réfère au contenu des livres. Ainsi, les deux termes ne s'excluent pas mutuellement, mais plutôt chevauchent. Par exemple, quand je prends le livre des Proverbes, alors c'est bien un livre sapientiel, mais c'est également poétique. Alors, donc, les deux se complètent, vont ensemble, parce que ça ne porte pas sur le même aspect de la langue. Donc, voilà pourquoi on les met ensemble. Qui sont les sages? Nous lisons dans l'Ecclésiaste 12:9, outre que Qohelet fut un sage, donc en hébreu, Hakam. Est-ce que tout le monde a étudié l'hébreu? Non. Non. OK. D'accord. Donc, alors, Hakam, on pourrait écrire comme ça. Voilà, Hakam. Donc, ça, c'est un sage. Un sage. Et cette forme ici, c'est le pluriel. Alors, le pluriel en hébreu fait donc Hakamim. Hakamim. Alors, je mets deux i pour montrer que le i est tout simplement long. Alors, Hakamim pour le pluriel. Et donc, le texte nous dit, il a encore appris la connaissance du peuple, au peuple, et il a pesé, examiné à fond et mis en ordre un grand nombre de maximes. Donc, un grand nombre de maximes. Les maximes, donc, sont des paroles de sagesse. Dans Proverbe 24-23, est mentionné comme parole, Proverbe 24-23 est mentionné comme parole venant des sages. Gam ele la hakamim. Gam ele la hakamim. Cela aussi vient, donc, est pour les sages, donc, en hébreu. Dans Jérémie 18, verset 18, la loi est attribuée aux prêtres, les conseils aux sages et la parole aux prophètes. Loi, prêtre, conseil, sage et parole, prophète. Donc, nous lisons là, car la loi ne fera pas défaut aux prophètes, ni les conseils aux sages, ni la parole aux prophètes. Torah mi kohen, ou etsa me hakam,
ou d'avoir mis Navi. Donc, Navi en hébreu se dit, prophète en hébreu se dit Navi. Le prêtre, c'est Kohen. Et donc, le sage, nous l'avons dit, c'est Hakam. Hakam. En Égypte, les sages constituaient une classe de personnes auxquelles le pharaon recourait pour des situations difficiles, comme l'interprétation des rêves. Nous voyons cela dans Genèse 41:8. Alors, probablement dans beaucoup de sociétés africaines, le groupe des sages est constitué par les anciens. Donc, ce sont eux qui connaissent les secrets de la vie et les secrets de vivre ensemble. Et ce sont eux également qui sont capables d'interpréter les choses difficiles. Voilà. Mais il se peut que dans certaines cultures, il y ait effectivement, comme en Égypte, cette classe de sages qui sont consultés aux besoins pour les situations du village ou bien du pays même. Voilà. Ils ont une aptitude pour une gestion efficace des ressources du pays et le leadership, les sages. Ainsi, Joseph le sage devient intendant d'Égypte. Quand Joseph a expliqué les rêves du pharaon, Pharaon a dit, nous avons besoin d'un homme sage. Nous avons besoin d'un homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Et ils ont dit, finalement, il n'y en a pas mieux que Joseph. Et Joseph fut choisi dans ce cadre-là pour devenir intendant d'Égypte. Et son travail montre très bien, sa gestion des affaires en Égypte montre bien qu'il était un homme sage. Moïse veut avoir des hommes sages et intelligents pour partager également la charge de leader avec eux dans Deutéronome chapitre 1, versets 13 et 15. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre votre micro, à ouvrir votre micro pour parler. Alors, qui sont encore les sages? Toujours, je continue cette question. Les sages sont des gens doués de capacités particulières, leur permettant de faire ce qui est impossible au commun des mortels ou ce que le commun des mortels ferait avec peine. Oui. Chaque homme a certains degrés de sagesse, mais il y en a qui sont beaucoup plus doués que les autres ou le commun des mortels. Voilà. Donc, ces gens-là sont reconnus comme étant des sages. Salomon est reconnu comme un sage, surtout dans sa gestion, son jugement pour séparer les deux mères qui se querellaient à cause d'un bébé. Alors, cette gestion a montré Salomon comme étant un homme très sage. Le sage et l'intelligent est celui qui observe et met en pratique les prescriptions et les ordonnances de Dieu. La sagesse consiste justement en l'observance et la mise en pratique de ces prescriptions et ordonnances. Donc, voilà une définition biblique de la sagesse. Pour la Bible, la sagesse n'est pas seulement la connaissance des choses, la bonne gestion des choses, la bonne compréhension des choses, mais c'est aussi l'observance et la prescription et la mise en pratique, donc, des prescriptions et ordonnances de Dieu. Les sages
rejette les pots de vin, se garde de porter atteinte au droit et se montre impartial dans le jugement. Deutéronome 16, 19. Rien de secret n'est obscur pour le sage. Ézéchiel 28, 3. L'Écriture parle de sagesse pour faire le mal aussi. Il s'agit de la personne qui utilise son intelligence pour faire du mal. Jérémie chapitre 4, verset 22. Dans ce cas, certaines versions françaises traduisent Hakam par habile et non par sage. Alors, donc quand on utilise sa sagesse pour faire du mal, alors les Français disent qu'il est peut-être rusé, ou bien qu'il est malin. Encore, c'est un mot français pour dire que quelqu'un utilise son intelligence pour faire du mal. Et ensuite, on peut utiliser également les termes comme habile. Encore une fois, pour dire que sa personne est en train d'utiliser son intelligence, sa sagesse, non pas dans le but de faire du bien, mais dans le but de faire du mal. Donc, Jonadab est qualifié de Hakam et Meod. Il y a quelque chose qui s'est coupé en hébreu. Alors, c'est-à-dire très sage. Jonadab, dans 2 Samuel 13, 3, c'est lui qui utilisa son intelligence pour aider Amnon à violer sa sœur Tamar. Vous voyez comment cette sagesse a été mal utilisée. Et donc, il était un homme rusé, il était un homme habile, alors, mais on lui dénierait le titre de sage, parce que ce n'est pas ce qu'on attend des sages. Mais c'est une intelligence qu'il a et qu'il a utilisée pour pouvoir atteindre un objectif malsain. Question, je m'arrête là d'abord sur les sages. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Moi, j'ai une petite question. Oui. C'est Rita de Madagascar. Oui. Est-ce que vous pouvez ajouter un peu d'explication à propos de ce passage qui parle de la sagesse pour faire le mal? Oui. Parce que dans Matthieu 10, 16, Jésus a dit aussi à ses disciples, soit rusé comme un serpent. Oui. Soit rusé. Oui. Oui, c'est vrai. Jésus utilise ce terme, mais comme une mise en garde plutôt. Le serpent utilise sa ruse pour se cacher. Alors, donc, généralement pas pour attaquer, mais pour se cacher, pour éviter justement d'être victime de ceux qui voudraient l'attaquer. Rares sont les serpents qui utilisent une ruse pour attaquer les gens. C'est généralement quand on marche dans leur domaine, alors qu'ils attaquent, ils se défendent. La méchanceté qu'on attribue aux serpents n'est pas généralement la qualité de beaucoup de serpents. On les accuse à tort. Mais c'est un mécanisme de défense qu'ils ont. Mais si quelqu'un arrive de chez toi et veut t'agresser chez toi, mais tu te défends. Mais, d'une manière générale, leur sagesse, leur ruse, c'est de pouvoir alors se cacher. Alors, donc,
pour nous chrétiens, si nous devons être rusés ou sages, ce n'est pas pour faire le mal, mais pour le bien. Donc, il y a dans les proverbes, dans les paraboles de Jésus, l'opposition, c'est-à-dire soit comme un tel, mais dans un sens positif. Voilà. C'est le cas de cette ruse-là. Et ici, dans l'Ancien Testament, ce que nous voyons, l'exemple que nous avons vu de Jonadab, Jonadab n'a pas utilisé cela pour faire du bien, mais c'est pour faire du mal. C'est-à-dire que Amnon avait une passion pour sa sœur, une passion malsaine, bien sûr. Ce n'était pas parce qu'il voulait la marier, parce qu'elle l'a proposé, il a refusé, mais c'était pour simplement satisfaire son instinct sexuel. Alors, donc, mais pour avoir ça, il a eu recours à Jonadab qui lui a dit de faire le malade et de demander à ce que Tamar vienne préparer dans la maison pour lui. Et comme ça, il aura l'occasion de l'abuser. C'est ce qu'il a fait. Donc, cela est différent. Donc, Jésus donne même la parabole de l'intendant habile. Hein. L'intendant habile qui devait de l'argent, il savait qu'il allait être viré. Alors, il a commencé à voir les créanciers. Il a dit, aux gens, bon, tu dois combien? Alors, lui, il dit, ah, moi, je dois 50 barils. Hein. Il dit, bon, écris 25. Alors, parce que il s'est dit, quand je serai viré, au moins, ceux-là à qui j'ai fait du bien, là, ils vont se souvenir de moi. Vous voyez? Alors, Jésus prend cette parabole-là pour dire à nous de faire, d'être sage avec l'argent de l'injustice. Alors, l'argent de l'injustice, ou bien le bien de l'injustice, c'est tout le bien de ce monde, en réalité. Mais il veut que nous puissions gérer conformément, enfin, ces biens-là, d'une manière sage, même si ce n'est pas des biens qui vont aller au paradis. Mais ce que nous avons ici dans ce monde, nous sommes appelés à bien les gérer également, d'une manière sage, comme c'est sage à faire, mais avec le bien de quelqu'un d'autre. Autre commentaire, question? Merci, docteur. Merci. Ça va, le rythme, c'est bon? Pas trop rapide? Oui, ça va, c'est bon. D'accord, merci. D'accord. S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. Le livre Sapientio, genre et caractéristiques. Alors, mon texte est sur Canevas déjà. Hein. Si vous êtes parti sur Canevas, alors quand vous cliquez sur mon nom, vous allez voir le texte sur Canevas. Donc, vous pouvez télécharger ce texte-là. Les livres Sapientio se caractérisent par une approche typique à la réalité et les formes littéraires spécifiques qui s'y trouvent. Les livres Sapientio traitent moins des actions de Dieu dans l'histoire d'Israël que de l'expérience humaine quotidienne dans le bon monde créé par Dieu. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de grande théologie dans ces livres. Alors, rédemption, salut, etc., toutes ces doctrines-là. Alors, donc, non, ce n'est pas le lieu de les chercher. Mais comment l'homme doit se vivre dans le monde créé par Dieu? C'est tout là le thème. Et les livres Sapientio sont presque entièrement écrits en poésie hébraïque. On estime d'ailleurs qu'un tiers de l'Ancien Testament est poétique. Oui, en fait, la poésie hébraïque est utilisée énormément, même dans les livres
de narration dans les livres qui racontent tout simplement des faits historiques, vous trouverez de la poésie. Vous trouverez de la poésie dans ces livres-là. Donc, la poésie est bien utilisée dans la Bible hébraïque. Nous allons voir les caractéristiques de cette poésie-là. La littérature sapientielle accorde peu d'importance à l'histoire. Donc, ce n'est pas les faits historiques qui les intéressent. Peu d'importance à la succession temporelle des événements. Donc, c'est la narration. Dans la narration, il y a une grande importance à la succession temporelle des événements. Cela a eu lieu, et puis ça, et puis ça. Alors, pas dans les livres sapientiaux ou dans les livres poétiques. La littérature sapientielle traite des questions qui sont objets de préoccupations universelles pour l'être humain. Et nous allons voir des exemples concrets par la suite. Le discours divin direct est rare dans la littérature sapientielle. C'est-à-dire, Dieu dit. Alors, dans l'Ancien Testament, on a énormément de fois, c'est les écrits prophétiques, il est l'expression « Ko Amar Yahweh ». Donc, « Ainsi parle Yahweh », alors, qui est fréquemment utilisé dans les écrits prophétiques, mais pas dans les écrits sapientiaux ou poétiques. Les écrivains parlent plutôt à Dieu que Dieu ne leur parle dans les livres sapientiaux. Donc, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu. C'est l'homme qui parle surtout à Dieu. La littérature sapientielle aborde également Dieu d'une manière honnête et audacieuse. Pourquoi honnête et audacieuse? Parce que parfois, on dit ce qui fait mal à Dieu. Alors, et on dit ce qu'on sent réellement dans sa chair. En plus des proverbes, Job et Ecclésiaste, certains psaumes sont appelés psaumes de sagesse. Les livres sapientiaux se caractérisent par l'absence de ce qu'on considère normalement comme typiquement israélite ou juif. Pas de mention des promesses faites aux patriarches, pas de référence à l'Exode et à Moïse, à l'Alliance et au Sinaï, et à la promesse faite à David dans 2 Samuel 7. Alors, ça, c'est une des caractéristiques, donc, des livres sapientiaux. Qu'est-ce que la poésie? Le propre de la poésie est peut-être de se refuser aux définitions, d'échapper à qui veut la saisir, de n'être perceptible que dans le moment où elle se manifeste, écrit un certain Martineau. Autrement dit, pour dire en langage simple, il est difficile de définir la poésie. Et si tel est le cas, quand nous cherchons la poésie dans nos langues, n'essayons pas de voir un modèle occidental, mais essayons de voir par rapport à l'ensemble du discours dans notre langue et dans notre contexte. Il n'y a pas défini par rapport à la poésie hébraïque ou par rapport à la poésie française. Elle se définira par rapport à l'ensemble du parler de notre culture. Le poète fait surgir une réalité autre, qui est d'abord celle du poème, et investit le monde d'un sens nouveau, créé par sa parole. Autrement dit, la poésie, c'est vraiment une façon
d'exprimer le monde d'une manière particulière. Donc, on ne se contente pas de raconter ce qui s'est passé, mais on embellit, on dit d'une manière agréable et d'une manière qui touche nos sensibilités. Donc, voilà la poésie. Qu'est-ce qu'un poème? Étymologiquement, le mot poème désigne la création et la production faite par le poète. Le poème a été compris comme une création littéraire composée d'une succession de vers rimant ou non et construit sur des rythmes semblables ou altérés, définis par un nombre strict de syllabes ou par des rapports précis entre syllabes longues et brèves. Donc ça, c'est généralement dans la poésie française. La poésie hébraïque est différente de ça. Alors, dans la poésie française, il y a énormément de développement. Il y a donc les alexandrins, il y a la poésie de quatre pieds, et deux, etc. Donc, beaucoup de types de poésie que les Français ont élaboré ou délimité. Alors, en hébreu, c'est d'autres critères. Alors, et peut-être dans notre culture, c'est d'autres critères. Donc, à nous, il nous appartient à nous d'étudier notre langue, notre culture, et de pouvoir dire, ça c'est poétique dans ma culture. Poésie, poète et poème viennent du grec poésis, poétesse et poïma. Ça vient du verbe poïo qui veut dire faire. C'est seulement ça. Le verbe poïo, le verbe faire en grec, est ce qui a donné poésie, poète et poème. La poésie est donc une fabrication, une création ou un faire, une production. Le poète est un faiseur, un producteur, un créateur. Donc, la poésie n'est pas tout simplement le parler ordinaire. Moi, j'aime dire que quand on est enfant, on parle simplement pour se faire comprendre. Mais quand on est adulte, alors le langage est un art. On parle non seulement pour se faire comprendre, mais pour donner du goût. Que celui qui nous écoute ait du goût à nous écouter. Et cela, dans notre culture, se fait à l'aide des proverbes qu'on utilise pour agrémenter ce qu'on dit. Alors, quand vous regardez la poésie hébraïque, c'est tellement complexe. Alors, un grand texte comme le psaume 119, combien de versets? 119. Versets, n'est-ce pas? Et pourquoi 176 versets? L'alphabet hébraïque ayant 22 lettres, 22 graphies différentes. Alors, le psaume 119 est un psaume où chaque 8 versets commence par la même lettre de l'alphabet. Chaque 8 versets commence par la même lettre. Versets 1 à 8 commence par Aleph. Et c'est pourquoi dans certaines Bibles, même dans nos langues, on écrit Aleph. Alors, je voyais ça dans la Bible de ma langue. Quand j'étais encore jeune, je n'avais pas étudié l'hébreu. Donc, je dis, mais c'est Aleph là, c'est quoi? Alors, ça ne dit rien aux gens, mais alors, si on traduit la Bible, on voulait mettre, parce que c'est une réalité de la langue hébraïque, que chaque 8 versets
commence alors par la même lettre Aleph. Mais c'est aussi un aveu d'impuissance. N'est-ce pas? Le traducteur avoue qu'il y a là quelque chose que je ne peux pas imiter. Je ne peux pas commencer chaque verset de ma langue dans ce texte-là par la même lettre de l'alphabet. Par exemple, si nous devrions le faire, Aleph étant le correspondant de A au commencement, première lettre, ça voudrait dire que psaume 1 à 8, chaque mot commence par A. Chaque verset commence par A. Et donc, de 9 à 16, chaque verset commence par B, etc. Jusqu'à donc 8 fois 12, 8, 9, 8 fois 22, ça fait 176. C'est pourquoi donc, ce psaume est long avec 176 versets. Alors, mais ce n'est pas au hasard. Et un auteur qui fait ça n'est pas tout simplement, ne s'est pas mis tout simplement à écrire comme ça. En un jour comme ça, ou en une place. Il a travaillé, c'est un faiseur, c'est un producteur, c'est vraiment un créateur. Créer ces textes-là. Alors qu'il nous est impossible de traduire comme il faut. Mais au moins, à défaut de voir traduire ça, on peut construire nous-mêmes nos textes, des textes, de cette façon-là, pour imiter cette production. Question ici? Pas de questions? La poésie hébraïque. Technique de la poésie hébraïque. Les difficultés. Les principes de base de la poésie hébraïque, je parle du parallélisme, le parallélisme synonymique, le parallélisme antithétique, le parallélisme synthétique ou constructif. Et ensuite, nous avons d'autres techniques de la poésie hébraïque, la disposition des termes, dont le chiasme et la strophe et l'acrostiche alphabétique. Donc voilà les éléments de la poésie hébraïque et nous allons les voir alors un à un. La poésie occupe une grande place dans la Bible hébraïque. Nous avons en plus des livres poétiques, parce que dominés par ces gens, la poésie est présente dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament. Exemple, Exode 15 est poétique. Exode 15 est poétique. Alors, c'est un chant, c'est le chant de victoire des Israélites. Alors, c'est un chant poétique. Quand je, juste la semaine dernière, j'étais en train de traduire avec une équipe de Samuel, et je me suis rendu compte qu'il y a même là beaucoup de poésie. Mais quand on prend Exode 15, Exode 15, c'est un chant, donc, de
Moïse et les Israélites. Alors, dans ces poétiques, dans les textes hébreux, un chant poétique au milieu donc, d'une narration. Et cela est très fréquent dans d'autres livres de la Bible. Donc, la poésie au milieu de la narration. Dans nos contes également traditionnels, en tout cas chez les Bamana, quand on a des contes, au milieu du conte, il y a toujours des chants. Donc, au milieu de la narration, il y a toujours des poésies. Pour dire donc que la poésie n'est pas isolée de la prose. La poésie hébraïque n'est pas assujettie à la rime, à des maîtres rigides comme en français. On peut même dire que la poésie hébraïque ne comporte pas de maîtres proprement dit. Donc, c'est différent de la poésie française. Le caractère saillant de la poésie hébraïque est la répétition. C'est par la répétition que le vers commence à exister. Donc, selon Henri Blocher. La poésie peut être orale ou écrite. Donc, on n'a pas besoin d'écrire nécessairement pour avoir une poésie. Même dans les langues qui ne sont pas écrites, alors, on a des poésies. L'oralité précède l'écrit partout. Alors, on parle d'abord la langue avant de l'écrire. L'originalité frappante de la répétition dans la poésie hébraïque, biblique, est sa forme de parallélisme des membres. Nous allons voir des cas concrets. La caractéristique la plus remarquable de la poésie hébraïque est le parallélisme. Une pensée est doublée ou complétée par une expression correspondante et les deux éléments contenant approximativement le même nombre de mots ou présentant au moins un rapport entre les idées. Donc, quand vous voyez les deux membres d'une poésie, alors, ou bien des deux lignes parallèles, vous allez avoir à peu près le même nombre de mots, en tout cas, où le contenu est synonyme. Le sens est synonyme. Alors, donc, nous allons voir plus tard comment ces différents sens peuvent se compléter ou bien même se contredire dans la poésie. Le parallélisme, cette rime du sens peut être synonymique, synthétique ou constructif, antithétique, par gradation ascendante ou symbolique. Alors, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Alors, mais quand vous allez les comprendre, vous allez les découvrir dans les textes vous-même. Examinons ces éléments avec des exemples tirés de la Bible. Parallélisme synonymique. Alors, il y a parallélisme synonymique lorsque les divers membres de la phrase expriment une pensée identique. Il est fréquent dans les psaumes. Voyez, le psaume 142, verset 2. Koli, El Yahweh, Ezaak. Deuxième ligne. Koli, El Yahweh, Et Hanan. Ma voix à Yahweh, mon cri. J'écris, donc. Mon cri, ou j'écris, alors donc,
ma voix à Yahweh, ô mon cri, je supplie. Donc, je supplie. Alors, vous voyez, crier et supplier sont synonymes. Alors, et vous voyez, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, il y a pratiquement le même nombre d'éléments dans les deux parties. Il y aura dans le parallélisme synonymique, alors, des synonymes ici. Par exemple, le cas d'Israël, alors vous allez voir Israël et Jacob. Israël et Jacob. Alors, dans Samuel, j'ai vu ça, il y a ici David et le fils d'Isaïe. David, fils d'Isaïe. Donc, il y a un, ce sont des synonymes. Alors, donc, on pourrait voir mon rocher, Yahweh, bien mon salut, Yahweh, etc. Donc, des synonymes dans à la fin des deux, ou bien dans les deux lignes parallèles de la poésie. Le psaume 6, verset 2, Yahweh albe apera hoki erni. Albe apera hoki erni. Et deuxième ligne, we al bahamatka teyasereni. Alors, vous voyez ici, Yahweh ne me châtie pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Alors maintenant, vous voyez, Yahweh n'est plus repris dans la deuxième ligne. Alors il y a ce qu'on appelle ici ellipse. Ellipse. Alors l'ellipse également est une caractéristique de la sagesse et de la poésie hébraïque. Ou un élément qui commence, ça peut être même le verbe qui commence la première partie, n'est plus repris dans la deuxième partie. Alors, dans nos langues, parfois, il faut reprendre le verbe. Parce que si on ne reprend pas le verbe, ça ne se comprend pas. Mais en hébreu, ici, par exemple, Yahweh, Al. Donc, Yahweh n'est plus repris, mais en réalité, Yahweh est sous-entendu dans la deuxième partie. Alors, dans le langage courant, alors, on fait l'ellipse assez fréquemment, mais les autres, les gens nous comprennent. Combien d'élèves participent au cours? Quelqu'un peut répondre? 16. Alors, quand il dit 16, alors il sous-entend 16 élèves participent au cours. Mais au lieu de reprendre tout ça, il coupe tout simplement, il dit 16. Alors, parce que la première partie a été déjà dite, donc celui qui répond ne reprend plus ce que j'ai déjà dit dans ma question, il ajoute. Donc, il y a là un parallélisme, mais il y a ellipse. Il a laissé tomber une partie. Donc, l'ellipse est assez fréquente dans les proverbes, et même dans les psaumes, et à nous de voir et de savoir comment rendre proprement dans notre langue pour que le parallélisme apparaisse. Dans ma culture, dans ma langue, il y a fréquemment, il faut que je reprenne. Pour vous dire que, en fait, moi je suis conseiller en traduction, mais je suis traducteur également. Je suis en train de faire une traduction de la Bible dans ma langue moi-même. Et donc, depuis des années, je travaille là-dessus. Donc, ça me permet de voir exactement les vraies difficultés du traducteur. Mais c'est un exercice que j'ai fait avec plaisir, sans pression. Mais donc, je vois que parfois, pour rendre l'ellipse, il me faut nécessairement reprendre le verbe ou l'élément qui a été omis en hébreu. Si je ne reprends pas, ce n'est pas clair dans ma langue. Alors, je crois qu'à chacun de juger quand on fait face à ce genre d'éléments.
Donc, la synonymie, le fait d'être synonyme, donc d'avoir un sens assez proche, peut s'accompagner d'une inversion dans l'ordre des mots, comme dans le psaume 103, verset 7. Il a fait connaître ses voies à Moïse, au fils d'Israël, ses actions. Vous voyez? Il a fait connaître ses voies à Moïse. Alors, il a fait connaître, n'est pas reprise ici, mais au fils d'Israël, ses voies. En réalité, il a fait connaître au fils d'Israël ses actions. Alors, mais il y a ellipse. Donc, c'est une synonymie. Question sur la synonymie. Parallélisme synonymique. Question, commentaire. Est-ce que vous avez des cas comme ça dans votre langue? Question. Est-ce que c'est tout nouveau pour vous? Ou bien c'est bien déjà connu? Ok, donc avançons. Le parallélisme synthétique ou constructif. Dans ce cas-là, le deuxième membre parachève le premier. Il y a accroissement d'informations. C'est moi qui ai investi mon roi. Et deuxième partie, sur Sion, ma montagne sacrée. Vous voyez comment? Alors, il y a ajout d'éléments nouveaux qui complètent la première partie. Ané Nazakti Malki Alcyon Har Korshi. Donc, les deux éléments en hébreu, donc, Ani Nasakti Malki, c'est moi qui ai investi mon roi. Al Sion, sur Sion, Har Kodshi, ma montagne sainte. Alors, le parallélisme synthétique, les deux membres sont aussi comparés. Par exemple, dans Proverbe 15-17, mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé là où l'on se déteste. Vous voyez, deux lignes qui sont comparées. Et c'est mieux vaut. Il y a des proverbes de mieux vaut dans les livres des proverbes en hébreu. Il y a beaucoup. Mieux vaut ceci que cela. Alors, une fois qu'on a compris ce fonctionnement, alors on essaie de traduire tous ces mieux vaut-là de la même manière pour donner, alors pour correspondre à l'hébreu. Troisième élément, le deuxième membre contient un raisonnement à partir du premier. Ne réponds pas à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur de lui ressembler toi-même. Vous voyez, donc, deuxième membre, de peur de lui ressembler toi-même. Le deuxième membre contient un raisonnement, alors, qui est à partir du premier.
Donc, de peur de lui ressembler, d'être toi-même un imbécile, c'est ça? N'est-ce pas? Ah, cet élément se complète. Ou alors, il y a un autre proverbe qui dit, réponds à l'homme stupide selon son imbécilité, de peur qu'il ne se croie sage. Voilà. On va dire, là, il y a contradiction, le livre de proverbes se contredit, n'est-ce pas? Non, c'est normal. Les proverbes ne sont pas comme des textes narratifs, mais c'est des situations de vie. Et il y a des situations de vie où ces deux-là s'appliquent. Donc, cela n'est pas une contradiction qui nuirait à la Bible, à la qualité de la Bible. Non, 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 pas du tout. C'est pas des réalités qui s'appliquent à différents niveaux de vie. Dans un cas, il ne faut pas ressembler à l'imbécile, au stupide en limitant, alors, pour ne pas être considéré comme un imbécile comme lui. Alors, mais également, dans certains cas également, quand le stupide parle, alors, si tu ne lui réponds pas, il croit qu'il est sage. Donc, il dit, voilà, je les ai convaincus. Alors, bon, pour ne pas qu'il le dise, je les ai convaincus, alors tu lui réponds comme il répond. Et puis, il se rendra compte que non, il n'a pas convaincu quelqu'un. C'est tout simplement qu'il a agi en insensé. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure que je parle. Parallélisme antithétique, antithétique. Antithèse, donc une opposition. Le parallélisme qui exprime une opposition. Un des membres de la phrase est en opposition de sentiment ou de langage avec l'autre membre. Le parallélisme antithétique est surtout fréquent dans les livres des proverbes. Dans les livres des proverbes. Proverbe 10:1, un fils sage fait la joie d'un père, un fils stupide le chagrin de sa mère. On a une opposition entre sage et stupide, entre père et mère, entre joie et chagrin. Vous voyez comment c'est construit. Somme 12, Proverbe 12, enfin, je vais dire 10, 12. Proverbe 10, 12. La haine éveille des querelles. L'amour couvre toutes les offenses. Haine opposée à amour. Éveillé opposé à couvrir. Et querelle opposée à offense. Voilà. Donc, querelle, je vais dire non, querelle est à peu près la même chose qu'offense, mais nier, c'est couvert. Donc, ce n'est pas éveillé, mais c'est couvert. Donc, d'où l'opposition entre les deux. Donc, c'est ça le parallélisme antithétique. Parallélisme par gradation ascendante. La première ligne est incomplète par elle-même, tandis que la seconde ligne reprend certains mots et complète la pensée. De même pour la troisième, il peut y avoir jusqu'à trois lignes. Somme 29, 1b à 2a. Fils de Dieu, donné à Yahweh. Alors, donné quoi? Vous voyez, c'est incomplet. Donné à Yahweh. Alors, les langues où on ne peut pas construire sans complément d'objet direct, c'est compliqué. Mais, dans ce cas-là, par exemple, dans ma langue, quand vous construisez le verbe donner, vous devez avoir un complément d'objet direct, un complément d'objet. Alors, mais
je peux construire de cette façon. Fils de Dieu, faites une donation. Ou bien à Yahweh. Donc là, c'est comme il y a un objet interne, le fait de donner à Yahweh. On ne dit pas ce qu'on doit donner. Et on reprend, donner à Yahweh gloire et puissance. Donc ce qu'il y a à donner, donner est repris de la première ligne et complété avec ce qui est donné, donner à Yahweh gloire et puissance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par gradation ou ascendante. Autrement dit, on monte avec ce type de poésie. Question? Commentaire? Bon, dans nos langues là, parfois, s'il y a une phrase sans complément, c'est parfois incompréhensible. Oui. Bon, puisqu'il s'agit de poésie, bon, et s'il faut par exemple traduire ce qu'on a ici, tel oui. que c'est constitué, bon, donc dans la première phrase, il n'y a pas de complément. Oui. Donc, la seconde a un complément. Oui. Donc, parfois, on a tendance à regrouper les deux en une phrase. Oui. Bon, quels sont vos conseils par rapport à ça? Oui, mais quand on regroupe dans une phrase, on perd la poésie. Justement. Voilà. Ce qu'on est en train de dire, fils de Dieu, donner à Yahweh, mm-hmm. bon, ce qu'on doit lui donner, c'est justement la gloire et la puissance. Oui. Bon, est-ce qu'on doit répéter la même phrase deux fois? Non, si on répète deux fois, ça, ce n'est plus une gradation. Gradation veut dire que ce qui a été dit n'a pas été complet et qu'on a complété. Alors, voilà, c'est ce que je dis. Si en bâton, par exemple, oui. si je devrais traduire tel que je vois, oui. si je dis fils de Dieu, donnez à Yahweh. Oui. Bon, et je reviens, je dis donnez à Yahweh gloire et puissance. Uh-huh. Donc, la première phrase là, bon, en bâton, bon, les gens diront que ah, il y a quelque chose qui manque là, il faut ajouter. Oui, justement. C'est ce qui est ajouté en bas. C'est ça. Alors, il faut terminer donc la première partie par une virgule, par exemple. Allô? Ah oui? Vous dites? La première ligne, vous terminez par une virgule. Oui. Alors, comme ça, on sait que le reste va venir. Alors. Est-ce qu'on peut traduire de cette façon? Par exemple, est-ce qu'on peut dire « fils de Dieu, virgule ». Bon, au lieu de dire « donner à Yahweh », on vient à la deuxième ligne pour dire « donner à Yahweh gloire et puissance ». Alors, regardez la définition. La définition dit que la première ligne est incomplète par elle-même, tandis que la seconde ligne reprend certains mots. Reprend certains mots et complète la pensée. Alors, le mot qui est repris ici, là, c'est le mot donné qui est repris de la première ligne. Alors, oui. si vous mettez seulement donné, alors vous n'avez plus la gradation, mais vous avez tout simplement la pensée. Bon, à défaut de pouvoir donner la forme, bien sûr, on donne la priorité au sens, n'est-ce pas? À défaut de pouvoir reproduire la forme, on donne priorité au sens. Donc, fils de Dieu, donner à Yahweh alors gloire et puissance. Donc, c'est ce qu'on va mettre. Mais si on peut le faire, et moi, je dis que, par exemple, dans ma langue, je dirais donc, fils de Dieu, alors, je dirais comme ceci,
Alors, au lieu de dire donner seulement à Yahweh, nous allons dire Ayedilike. Yahweh ma. Régile. Donc, et maintenant, en reprenant, je dirais Aye Noro Ni Fanga Di Yawema. Voilà. Donc, ici, ce verbe, c'est le nom pour donner, et donc le verbe faire. Donc, au lieu d'avoir le verbe donner ici, je prends le nom avec faire. Donc, faire la donation à Yahweh. Donc là, le sujet, enfin, le complément est don. Et donc, la dernière partie maintenant, le verbe est conjugué et avec ses compléments. Voilà comment moi je fais comme astuce pour pouvoir rendre cette gradation-là. D'accord. Donc, j'ai vu la manière dont on a traduit un bâtonneau là. Oui. Donc, on doit revoir ça. Voilà. Alors, généralement, la langue peut donner une autre façon de le faire. Si on cherche. Parce que là où il n'y a pas, normalement dans ma langue, quand il n'y a pas de complément, quand le complément d'objet direct manque, on peut transformer le nom le verbe en nom et le verbe sera le verbe faire. Mm-hmm. Faire ça. Alors, faire une donation. Au lieu de donner, c'est faire un don. Mm-hmm. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Excuse-moi, docteur. Oui. J'ai aussi une question. Oui. C'est encore moi, Rita de Madagascar. Oui. Quand on parle de parallélisme par gradation ascendante, est-ce que c'est le même cas pour quelques psaumes, par exemple le psaume 138, qui a pour titre 100 et montée, 100 et montée? Dans quelques psaumes, il y a « sont démontés ». Oui. Bon, le mot « monter », ce n'est pas le mot « monter » qui fait la gradation, mais la gradation existe dans beaucoup de psaumes. Psaume 138, je vais regarder. Psaume 132, par exemple. Ça? 132. Et aussi 134, chant de montée. Oui. Donc, chant de montée, n'est pas nécessaire. Les chants de montée, c'est surtout les chants de partir pour aller à Jérusalem. C'est-à-dire, c'est pour des chants qu'on chantait quand on allait à Jérusalem. Psaume 121. Alors, c'est aussi des chants de montée. Les chants de montée sont des chants qui étaient célébrés, chantés, ou bien des psaumes qui étaient chantés quand on montait à Jérusalem. Mais pas des psaumes. Oui? Oui, pour ces cantiques de montée-là. Oui. Donc, ce n'est pas chanté dans le temple, mais c'est peut-être en allant à Jérusalem sur le chemin. Oui. C'est pourquoi c'est intitulé Cantique des pèlerins, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est ça aussi, Cantique des pèlerins. Donc, ça, c'est parce qu'ils vont à Jérusalem, donc on chante ces psaumes-là. D'accord. Bon, merci, docteur. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour. C'est quelqu'un voulait parler? Pasteur Chico Ezekiel.
Oui, oui, c'est le pasteur qui parle. Oui, vas-y. Ézéchiel du Cameroun. Oui. Vous avez la parole. Oui, oui. Étudier la forme. Allô? Dans le sens, alors, est-ce que c'est un problème pendant... où il est dit donner à Yahweh la gloire et la puissance. Qui donne, est-ce que... Allô? On a un problème de communication. Donner à quelqu'un la puissance à personne. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Oui. Vous parlez du sens de ce verset là, c'est ça? Oui, oui, le sens même du verset, oui, oui. Par rapport à oui. Donner la puissance. Oui. Non, non. Est-ce qu'on oui, peut c'est... donner la puissance à quelqu'un qui est plus puissant que soi? Oui, oui, oui. Merci bien. C'est une bonne question. En réalité, donc, le mot donner ici ne signifie pas que c'est toi qui donnes la puissance, mais tu reconnais Yahweh comme étant. Celui qui a la gloire et la puissance, tout simplement ça. C'est, okay. C'est le reconnaître comme étant celui qui a la gloire et la puissance. Ok. Il y a aussi béni voilà. Soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Chaque fois qu'il y a le mot bénir pour l'Éternel, alors c'est l'essence de le louer ou bien de le rendre grâce. Alors, okay. Pour les langues qui sont comme les langues mandées, parce que c'est Baruch. Baruch à Yahweh. Alors, le Baruch, ça vient de Barca. Le Yahweh, je vois Bodhi Barca d'ailleurs. Là. Ok. Le Barca. Alors, Barca, moi je dis Barca Kada Alaye. Barca Kada Yahweh. Tout simplement, je traduis comme ça. Barca Kada Yahweh. D'accord. Merci beaucoup. C'est ça. Alors, nous avons une minute pour la pause. Je crois qu'on va attendre la pause. Alors, les gens de Madagascar sont loin et donc j'aimerais avoir qu'on termine un peu plus tôt. Alors, est-ce qu'on peut faire la pause en 1 heure? La grande pause, je veux dire la grande pause, la pause de à partir de 11h. Donc, de 11h, au lieu d'aller jusqu'à 13h30, on peut même revenir à 13h, comme ça, on termine 30 minutes avant. Qu'est-ce que vous pensez? Sinon, à midi et demi, de 11h à midi et demi, et on termine à 14h. RGMT. C'est une bonne idée. Oui, oui c'est bon. C'est une bonne idée. C'est bon. Donc, à midi et demi, vous revenez à midi et demi? Oui. Et on termine à 14h. Oui. OK, merci. Donc, on fait comme ça. Merci. Merci, docteur. Voilà, le Malagasy. Donc, voilà. Comme ça, vous merci à vous. OK, merci bien. Donc, bonne pause. Pour penser à nous. Oui. Merci, docteur.